Et c'est dommage que je dois les quitter. Je l'ai dit avant le match et je confirme que moi, mon assistant Farid et le préparateur physique Kamel démissionnent aujourd'hui. On ne sait pas continuer à travailler dans des circonstances pareilles. Je suis un professionnel et j'aimerais de travailler dans des circonstances professionnelles. S'il y a des gens qui se mêlent avec mon devoir, s'il y a des gens qui mélangent la responsabilité, c'est impossible pour moi. Moi, je fais mon devoir et je fais mon boulot comme je dois le faire. Et si quelqu'un vient chez moi et vient me dire ce que je dois faire, je ne peux pas accepter. Vous parlez du président Hanachi, je parlais du président. Pardon ? Je parlais du président. Merci, moi c'est clair, ça mérite. Votre décision, elle est irrévocable ? Pardon ? Vous allez pas revenir sur votre décision ? Monsieur Bouz, dans quel domaine le président Hanachi, vous parlez d'immixion dans les affaires techniques ? Dans quel domaine, monsieur Bouz ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Je pense qu'un entraîneur est responsable pour la sélection de son équipe. Il veut faire l'équipe ? C'est le cas de Rouge. Vous avez attendu qu'un entraîneur sélectionne son équipe et pas d'autres personnes, ni le président. Non. Je veux dire hier. Pourquoi ? Hier. Parce que, comme je viens de dire, si on commence à se mêler avec les responsabilités de l'entraîneur, on essaye de lui obliger, alors pour moi c'est fini. Je vais le dire maintenant. Ah, il ne le sait pas encore ? Il le sait. Ah, il le sait. Quelle était sa réaction ? Je ne sais pas. Là, l'équipe. Je l'ai dit, parce que je n'ai pas l'équipe avec Chlef, j'ai dit l'équipe et j'ai gagné le match. Et je crois que c'est pas la peine de continuer. Nous avons des avocats, nous avons l'achat. Chauffons le contrat. Est-ce qu'il va partir ou il ne va pas partir? C'est tout. Les Belges, on a eu déjà un Belge. Il a un contrat, on va étudier son contrat. Ça en est à Rouhaken de démissionner. Mais je m'attendais parce que fait le Borj Ameha. Alors je m'attendais à ça. Je m'attendais. Un aide à l'équipe Lyon qui chauffe le Borj. Mais les joueurs qui n'ont pas, d'être l'équipe ou Urbet. Après cette victoire, Lyon, vous venez de m'apprendre l'entraîneur. Où est-ce qu'on l'entraîneur? Après cette victoire, comment réagissent les joueurs? Ils sont très contents. Je sais qu'on va faire une bonne saison. Et les joueurs de la JSK ne manquent de rien. Vous avez confirmé la fonction de la CAF? Je ne confirme pas. Je ne confirme pas, parce que dès que je reçois le courrier, là je vais confirmer. Mais maintenant, je ne confirme rien du tout. Mais vous préparez un dossier. Ah, c'est sûr. C'est la JSK. Mais je... Alors, vous pensez jouer sûrement dans les prochains temps ? Inch'Allah. Maintenant, on est en train de travailler dessus, à partir de demain déjà, et après demain, il y a un gros dossier qui est sur la table. C'est des hommes et on n'a que des hommes à la JSK. Ils ont supporté l'équipe jusqu'à la dernière minute. On a gagné et actuellement on est premier. Et où on va jouer ça, la présidente ? Ça aura, je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui jouent. Le jeudi, alors maintenant, Hasselin. Donc peut-être on va choisir le candidat le 20 août, mercredi, on peut faire avec Sawara. Mais je vais demander au gars de Belcourt si on peut l'utiliser le terrain, on va revenir ici.